Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je retouche mes photos, plus particulièrement mes photos Instagram. C'est vrai qu'en ce moment j'essaye de beaucoup plus soigner mes photos, la qualité, etc. Que vraiment mon Instagram soit beaucoup plus agréable à regarder. Et d'ailleurs je suis extrêmement content parce que je reçois de plus en plus de petits commentaires, des petits messages privés, etc. pour me dire oh, trop beau ton nouveau feed, tes photos Instagram se sont grave améliorées, etc. Déjà d'un point de vue personnel, je suis trop content du rendu et j'adore comment est-ce que mon Instagram est en train d'évoluer. Mais en plus, quand je reçois des petits messages et tout pour me le dire, franchement j'aime trop. Ça me rassure encore plus et merci à toutes les personnes qui commentent ou alors qui m'envoient des petits messages pour me dire trop beau ton feed. Actuellement sur mon Instagram, il n'y a que 9 photos qui ont réellement la même harmonie de couleur parce que c'est vraiment très 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 récent. C'est en fait, ça fait vraiment que quelques jours que je commence à avoir un feed. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 9 photos pour l'instant, mais après ça va être trop beau et tout. Ah, j'ai hâte. J'ai trop trop hâte. Je vais directement enregistrer mon écran parce qu'en fait quand je me prends en photo, ça se passe juste sur ma droite. Sur ma droite en fait j'ai un grand miroir et du coup je prends mes photos dans le grand miroir. Ne faites pas attention au bordel. Donc du coup ici j'ai ma caméra et à droite, comme vous pouvez le voir, de toute façon vous voyez tout à l'écran, j'ai un miroir juste ici et en fait je me prends en photo dans le miroir et juste je zoome pour faire mes photos. Là j'ai un éclairage que je mets derrière sur le fond qui est juste là, mais ça c'est pour éclairer le fond. Mais normalement je le mets un peu plus loin, comme ça au moins ça va venir bien éclairer, comme ça en fait ça éclaire bien mon visage. Sinon pour la partie gauche de mon visage, j'ai une grosse boule comme ça, un énorme éclairage qui coûte très 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 cher. Donc je vais mettre en place les éclairages, comme ça au moins je vais prendre des petites photos et j'arrive. Maintenant que votre photo est prise, vous avez bien entendu sélectionné la photo que vous préférez ou les photos que vous préférez. Vous avez fait votre petit tri de votre côté. Maintenant, place à la retouche. Juste avant, je préfère faire un petit disclaimer. Je vais vous montrer comment est-ce que je retouche mes photos, quelle application j'utilise. Mais je préfère prévenir, je ne suis pas du tout là pour normaliser le fait de retoucher ces photos, etc. Vous allez le voir, moi ce que je retouche au niveau de mes photos, c'est la qualité d'image, les couleurs, c'est-à-dire les faire ressortir. Et bien entendu, si je trouve qu'il y a un petit défaut sur la photo, je l'enlève. Mais je ne suis pas du tout là pour vous dire modifiez votre visage, modifiez tel trait, et nanani, et nanana. Pas du tout, je suis juste là pour vous montrer comment est-ce que moi je retouche mes photos. Première application que j'utilise pour modifier mes photos, c'est une application que je viens d'installer, ça fait genre 2 semaines que je l'ai. C'est FaceApp. Alors de base, FaceApp, c'est une application qui est très connue pour mélanger les visages. Il y avait même le filtre Snapchat, etc. où on pouvait s'échanger les visages et filmer et tout. Bref, maintenant c'est une application vraiment de retouche photo et on peut faire de très 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 grosses retouches, se modifier la coupe de cheveux, la couleur de cheveux, se mettre les cheveux longs, se mettre les cheveux courts, changer de genre si vous voulez un genre plutôt féminin, un genre plutôt masculin, etc. Après ça part dans les clichés, c'est-à-dire que si vous voulez un genre féminin, ça va vous mettre les cheveux longs et si vous voulez un genre masculin, bah ça va vous mettre les cheveux courts avec une barbe. C'est très cliché mais c'est drôle entre amis, enfin il y a eu plein de challenges de TikTok comme ça, mais ça peut être sympa si vous voulez rigoler. Donc vous voyez en fait en bas de l'application, vous avez toutes les petits enfin tout ce que vous pouvez modifier en fait. Donc vous avez impression, donc ça en gros ça va être plus la morphologie du visage. Je vous conseille pas trop, même si ça reste quand même très 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 léger, ça va venir un peu lifter. Par exemple là je vais cliquer sur baiser, c'est très léger mais en fait ça va venir lisser la peau, un peu relever les pommettes, en fait ça va venir juste un peu unifier mon teint, l'éclaircir vite fait, ça le rend plus lumineux. Voilà, j'aime bien. Honnêtement, je trouve ça joli. Ensuite, il y a l'option maquillage. Donc là, c'est carrément, ça va vous recréer un maquillage. Donc si vous êtes démaquillé, ça peut être pas mal. Après, encore une fois, ça modifie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer, par exemple, là, je vais dans maquillage. Vous avez vu, ça va intensifier de ouf. Ça a même changé la couleur de mon fard à paupières. Ça a changé totalement mon visage. Là, j'applique, mais honnêtement, là, on me reconnaît plus. Là, honnêtement, déjà, c'est trop. C'est trop. Et là, j'aime plus du tout. C'est plus moi. Donc ça, le maquillage, je vais venir l'annuler parce que je n'aime pas. Je préfère largement comme ceci. Alors ensuite, ce que j'aime bien aussi, donc du coup, c'est les coiffures. Vous avez volume. Regardez-moi ça, comment c'est naturel. C'est un truc de malade. Dans ondulé, oh, regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est incroyable.
et c'est super naturel. J'adore la coupe de cheveux par contre. Peut-être que je vais la garder. Ensuite, il y a l'option frange. Donc ça m'a rajouté des petits cheveux. J'aime beaucoup le rendu. Je pense que je vais garder le ondulé pour voir. Et maintenant, on se retrouve sur une deuxième application. La deuxième application, c'est Facetune 2. Facetune, c'est un peu le même principe que FaceApp, sauf que du coup, là, ça va être manuel. Vous allez choisir à tel endroit, vous allez pouvoir modifier la structure et tout, tout, enfin bref, tout modifier, mais cette fois-ci, ça va être vraiment manuel. Ça va pas le faire automatiquement. Première chose que je fais, c'est que vu que j'ai modifié l'intensité de mon teint et j'ai unifié mon teint, ça a également unifié mon maquillage. Donc, mon maquillage est beaucoup moins intense qu'au départ. Donc je vais dans peinture, dans tonalité, et je vais prendre à peu près les mêmes couleurs que mon make-up, et je vais venir re-intensifier, parce que du coup, à cause de la retouche, ça l'a désintensifié. Le jaune. Là, j'ai accentué mon make-up. Maintenant vient la petite retouche de mon complexe. J'ai un complexe au niveau de mon nez. C'est-à-dire qu'en fait, mon nez est tordu. Et vu qu'il est tordu de son sens vers là-bas, si je me prends en photo comme ça, ça va me faire comme une espèce de bosse. Alors qu'en fait, j'ai pas de bosse. C'est juste que vu qu'il est tordu vers là-bas, bah, ça me fait un effet de bosse. Mais si je prends en photo de ce côté-là, j'ai pas de bosse. Mais je n'aime pas ce profil. Je préfère ce profil parce que j'ai l'impression que ma pommette ici est plus remplie. Je trouve mon visage plus défini de ce côté que de ce côté. Ici, je trouve qu'on voit trop la mâchoire. J'ai l'impression que mon visage, il est écrasé. J'aime pas. Alors qu'ici, je préfère largement. Donc du coup, je vais dans remodeler, ensuite affiner et juste enlever comme l'espèce de mini boss que j'ai au niveau de mon nez. Maintenant, je vais dans modifier. Donc modifier, c'est vraiment quasiment tout à droite. Et je vais juste aller dans clarté. Donc c'est le premier. Et je vais venir accentué, donc ça c'est juste pour la luminosité de la photo en fait. La dernière application, c'est l'application VSCO, VSCO, je ne sais pas comment vous la prononcez, mais c'est plus une application pour les couleurs de la photo, pour les filtres, l'ambiance, etc. etc. Donc, toutes les applications que je vous ai montrées, de toute façon, en fait, elles sont gratuites, c'est-à-dire que vous pouvez les télécharger gratuitement, mais la plupart du temps, vous avez des options qui sont payantes, c'est-à-dire que vous avez, si vous voulez plus d'effets, et plus, enfin ouais, plus d'effets, si vous voulez faire plus de retouches, bien entendu, il faudra payer les options, mais en tout cas, pour les premières options, les applications sont gratuites. Pareil avec VSCO, moi je dis ça, VSCO. Vous avez plein de filtres gratuits, mais la plupart du temps, les filtres vont être payants, et bien entendu, les plus beaux filtres vont être payants. Vous avez également la possibilité de créer vos propres filtres, c'est-à-dire que vous allez en fait faire votre petite retouche photo, voilà, luminosité, patati patata, contraste, enfin bref, vous faites votre vie, vous retouchez tout ce que vous avez envie de retoucher et vous allez enregistrer ce filtre et du coup quand vous enregistrez les filtres, ça va être ici sur la petite roulette. Donc moi j'ai deux filtres que j'ai enregistrés, j'ai un filtre plutôt beige, donc ça c'est quand je fais des photos de décor, de murs dans Paris, etc. pour que ça donne un côté plus beige, plus propre. Mais quand c'est les photos de mes make-up, j'ai un deuxième filtre et c'est Esther d'ailleurs qui me l'a créé. Donc ça c'est le filtre que j'ai enregistré. Après là, je trouve que c'est un peu trop intense. Donc ce que je fais la plupart du temps, c'est je retourne dans exposition et je vais remodifier un peu. Donc de base il est à 1,8 et là je vais le mettre à 1. J'adore comment ça rend. Le volume aux cheveux comme ça c'est trop trop beau par contre, j'adore. Ce que j'aime trop faire c'est voir le avant après pour voir si la photo n'a pas été trop modifiée. Parce que clairement si je trouve que ma photo est trop modifiée, j'annule tout ce que j'ai fait et je recommence d'une manière beaucoup plus naturelle parce que j'ai pas envie que mes photos soient fake à 100%. Donc en fait j'assemble la photo avant et la photo après et comme ça en fait je vois le changement. Et après, bah, je me dis, bon, ça va, la photo, elle est pas trop modifiée. Bon, suite à cette vidéo où je vous ai montré comment est-ce que je retouche mes photos, je vous invite vivement à me suivre sur mon Instagram. Vous l'avez vu, mes photos en ce moment, elles sont plutôt belles. Il y a une bonne ambiance, les photos sont de bonne qualité. Vraiment, je m'améliore et je suis trop content. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!